Deux minutes pour comprendre aujourd'hui AVC ischémique, AVC hémorragique, quelle différence? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec le professeur Pierre Amarenko. Vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital Bichat. Quelle différence? La différence, c'est que dans un cas, il y a une hémorragie, c'est-à-dire qu'une artère, une petite artère du cerveau éclate, le plus souvent sous l'effet de l'hypertension artérielle. Et dans l'autre cas, c'est une ischémie cérébrale, c'est-à-dire un caillot qui bouche une artère, d'où la privation d'oxygène de la zone irriguée par cette artère du cerveau. Et cette privation d'oxygène, ischémie, aboutit à l'infarctus cérébral. Donc, c'est deux choses totalement différentes. L'infarctus, 80% des cas, l'hémorragie, 20% des cas. La formation du caillot dans le cas de l'infarctus se fait soit dans le cœur, soit dans une artère, soit par une anomalie sanguine. Et ensuite, ce caillot migre et est emporté par le courant sanguin jusqu'à l'intérieur des artères du cerveau pour boucher cette artère et donc créer l'ischémie puis l'infarctus. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants qui vont faire qu'on va plus facilement créer ce caillot? Les facteurs favorisants dans le cas de l'hémorragie, c'est essentiellement l'hypertension artérielle. Et traiter l'hypertension artérielle diminue de plus de 60% le risque d'hémorragie cérébrale. Dans le cadre de l'infarctus cérébral, de la formation du caillot, alors là, c'est la maladie athéroscléreuse, celle qui bouche les artères coronaires aussi, pour donner l'infarctus du myocarde, mais qui bouche aussi les artères carotides ou les artères à l'intérieur du cerveau, pour donner l'infarctus cérébral. Cette maladie athéroscléreuse est favorisée par l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le tabac, le diabète, le cannabis et la sédentarité ainsi que l'absence d'exercice physique. Voilà, attention aux facteurs de risque et dans tous les cas, en cas de suspicion d'AVC, appelez immédiatement le 15. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.